Bonjour Hubert, bienvenue dans cette première vidéo pour présenter le marketing digital de @AZ qui sera publié chez Erol en fin 2023. Voilà, absolument, septembre si on est dans les temps, sinon un petit peu plus tard. Et on va commencer cette première vidéo très courte pour expliquer pourquoi un livre. On va aller de A à Z et on va parler de l'email et des Gen Z. Donc, on sera complet. La première question que je vais te poser, Yann, par rapport à ce livre, c'est la question suivante. La chose la plus importante quand on écrit un livre, c'est ne nous en déplaise, ce ne sont pas tellement les auteurs. N'en déplaise à Erol, ce n'est pas tellement l'éditeur. N'en déplaise à ceux qui sont des universitaires, fans du livre, ce n'est pas tellement la matière et la connaissance. La question et le sujet le plus important quand on écrit un livre, c'est pour qui on l'écrit, donc l'audience. Et donc, si on parlait un petit peu de l'audience, à ton avis, pour qui on écrit ce bouquin, Yann ? Voilà, alors le bouquin, c'est l'idée derrière ce livre, c'est d'en faire un livre de référence, donc la barre est assez haute, chez l'éditeur Erol, à destination des professionnels. Hein, donc, des professionnels d'ailleurs qui sont des professionnels du marketing en général, mais pas que, des professionnels de l'entreprise. Donc, on s'adresse ici à des gens qui sont dans l'entreprise, on ne s'adresse pas uniquement à des geeks. Alors, les geeks sont les bienvenus, parce que nous, on est un peu geeks, hein, donc on ne va pas les exclure. Mais on s'adresse à tout le monde. On va essayer d'utiliser, d'ailleurs, on y reviendra dans une seconde, un vocabulaire le plus précis possible, le plus clair possible, en essayant de jargonner le moins possible. Donc, si je dis hashtag MDAZ, tout de suite, c'est du jargon. Ça veut simplement dire qu'on va essayer de communiquer sur le livre avec un hashtag MDAZ, marketing digital de A à Z ou de @AZ. Tu dis les professionnels du marketing. Est-ce qu'on peut inclure dans ces professionnels du marketing les futurs professionnels du marketing, ceux qui sont aujourd'hui en vente, ceux qui sont aujourd'hui en communication et qui ont envie de migrer ou de venir rejoindre la communauté marketing digitale? Absolument. Ça et peut s'adresser à eux. Et surtout, on pense bien entendu aux étudiants, hein, qui sont la plupart du temps nos élèves d'ailleurs. À nos étudiants. Voilà, nos étudiants et les autres, tous ceux qui ont besoin finalement embrasser cette discipline qui est très large. Hein, on y reviendra, c'est une discipline qui est à la fois complexe, large, et qui touche un peu à tout. Autre sujet à aborder, justement, le champ du livre et le scope du livre. Pour revenir sur les audiences, est-ce qu'on s'adresse aussi aux patrons de l'entreprise, aux CEO, aux dirigeants, aux directeurs financiers, pour qu'ils comprennent mieux le marketing digital? Bien sûr. Ou on les exclut? Non, bien sûr qu'on s'adresse à ces gens-là. On n'a pas voulu reprendre les titres qu'on avait dans l'éditeur précédent qui s'appelait « À mon boss », mais l'esprit est toujours là. On s'adresse aussi, bien entendu, aux décideurs et finalement à tous les membres de l'entreprise qui sont partie prenante de ces décisions. Voilà. Alors, voilà pour l'audience. Et dans une deuxième vidéo, eh bien, nous expliquerons comment on a écrit ce livre, comment il va s'articuler.